Bonjour à vous les joueurs de Brawl Stars les amis, on poursuit cette série de battle de pack opening entre Monsieur Mégaboîte et Monsieur Grosse Boîte. Quand on veut maxer son compte et débloquer tous les brawlers, vaut-il mieux ouvrir des Mégaboîtes ou des Grosses Boîtes? On le saura à la fin de cette série de vidéos. Je vous avais proposé de poursuivre cette série si on faisait les 2000 pouces bleus à la première vidéo, au premier battle. On a fait les 2000 pouces bleus largement puisqu'on est quasiment à 3000, à 2991, 64 650 vues sur la première vidéo, c'est énormissime. On poursuit l'aventure les amis, alors gomme pété, un ouragan de pouces bleus, on fait les 2000 pouces bleus, je pense même qu'on peut faire direct les 3000, mais 2000 pouces bleus, je poursuis l'aventure. Et si vous voulez suivre cette série de battle de pack opening en vidéo, et ben je vous invite tout simplement à vous abonner, mettre la petite cloche, comme ça vous serez notifié de ma prochaine vidéo de pack opening entre Monsieur Mégaboîte et Monsieur Grosse Boîte. Il y a lutte, hein, il y a combat, hein, les amis. Monsieur Grosse Boîte, il veut pas se laisser faire. De toute façon, ils ont autant de gemmes. Là, on est parti. On va ouvrir 1000 gemmes de Grosse Boîte et de Méga Boîte sur les deux comptes. Dans un premier temps, les amis, je vais commencer à monter en niveau de pouvoir tous les brawlers qui sont déjà débloqués. Comme ça, ça me donnera plus de chances de débloquer de nouveaux brawlers. Et bien sûr, le code créateur Romain, les amis, vous le savez, hein, c'est le code créateur que je reverse en intégralité pour la team super, la team que j'ai créée avec l'ami Senor 9. Allez, on est parti. Je monte en niveau tout le monde, j'utilise tout mon gold. Comme ça, j'aurai tout simplement plus de chance sur les deux comptes, Monsieur Mégaboîte et Monsieur Grosse Boîte, plus de chances de débloquer des nouveaux brawlers. Et c'est ce qu'on veut, des nouveaux brawlers dans ce pack opening. À votre avis, combien il va y en avoir? Je sais pas. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes hypé par cette série de vidéos et si vous êtes de la team méga boîte ou de la team grosse boîte. Moi, personnellement, je suis de la team méga boîte. Hein. Vous savez, je suis un bonhomme quand je rentre dans le shop. Et moi, je veux ouvrir dans la méga boîte. Mais sait-on jamais? Est-ce que Monsieur Grosse Boîte va créer la surprise? On va voir ça. En tout cas, Monsieur Grosse Boîte, il est parti. Il a ouvert ses premières boîtes. Pour l'instant, il a rien du tout et c'est Monsieur Mégaboîte attaque aussi. Il attaque le pack opening. On n'a pas d'objet restant 5 pour Monsieur Mégaboîte. Aïe, aïe, aïe. 3 de l'autre côté. Alors, vous savez que même avec 2 objets restants dans une grosse boîte, vous pouvez avoir un nouveau brawler. Alors que côté Monsieur Mégaboîte, il faut voir l'objet restant 6 qu'on vient de voir là. On a Monsieur Mégaboîte qui a débloqué un nouveau brawler. Alors, je suis super attentif. Je regarde à gauche et à droite. Oh là là, on a du Bartaba et de la Rosa. Exactement pareil des deux côtés. Mais là, l'objet restant, il clignote, les amis. On a un nouveau brawler à gauche. C'est quoi? On veut un légendaire, hein. Ah, c'est Rico, les amis, c'est un super rare. On est à 3 sur 4 en super rare, alors qu'à droite, il se passe rien chez Monsieur Grosse Boîte. C'est la PLS, c'est la tristitude absolue. 3 objets restants, peut-être un nouveau brawler à droite pour Monsieur Grosse Boîte. Non, pas de nouveau brawler. C'est un peu spécial. Hein. Oh, encore un objet restant 6, mais c'est pas possible. Mais Monsieur Mégaboîte, honnêtement, il a une chance de fou. Il a une chance. Regardez, il clignote, ça clignote à gauche. À droite, il se passe rien. La PLS pour Monsieur Grosse Boîte, pendant que Monsieur Mégaboîte, il se gave, il se régale. Alors c'est quoi ce nouveau brawler? C'est Daryl, les amis. Je crois que c'est le 4. Mais oui, 4 super rares sur 4, c'est fini les super rares. À droite, toujours rien. Oh là là, on le sent, hein. Il est en tristitude absolue. 3 objets restants, peut-être un nouveau brawler. Objet restant 7 à gauche, mais qu'est-ce que c'est de ça? C'est pas possible, les amis, c'est énormissime. Je surveille quand même à droite pendant ce temps, mais il y a... Ne me dites pas qu'il va y avoir encore 2 nouveaux brawlers pour Monsieur Mégaboîte, parce que alors là, c'est la raclée, là, c'est le mama. Hein. Objet restant 3, et ça clignote déjà, c'est pas possible. 2 nouveaux brawlers dans cette Mégaboîte. Un objet restant à droite, les amis, mais qu'est-ce que c'est de ce délire? Là, on a 3 nouveaux brawlers. On a Polly à gauche, Karl à droite, les amis. C'est pas vrai, c'est énormissime. Oh mon Dieu, ces pack opening, ces battles de pack opening sont monstrueux. Et c'est Monsieur M, les amis. Oh, mon Dieu, énormissime! Polly et Monsieur M dans la même méga boîte. Monsieur Grosse Boîte, il pleure, hein, je l'entends. Il est en train de pleurer complètement. Objet restant 2, il n'y a rien de nouveau. Alors que Monsieur Méga Boîte, il vient d'ouvrir, de débloquer 2 nouveaux brawlers. Objet restant 5, il n'y aura rien à gauche. Objet restant 3, il y a possibilité d'avoir un nouveau brawler à droite. Non, ça clignote pas. Aïe, aïe, aïe. On veut que ça clignote, là. On veut que ce petit carré rouge clignote des deux côtés, hein. En tout cas, début de pack opening monstrueux, les amis. Hein. Go m'encourager, go me péter les pouces bleus. Oh, rien. Attention, méga boîte. Objet restant 6. Mais qu'est-ce qu'il a, Monsieur Méga Boîte? Il a une chance incroyable. Il devrait aller surveiller sa Valentine. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais c'est pas normal là ce qui se passe. Monsieur Méga Boîte, il est en train de se débloquer tous les brawlers. Alors on attend quoi? Une mythique, une épique, une légendaire? Attention, ça clignote à gauche. Hein. Alors que Monsieur Grosse Boîte est toujours dans sa grosse PLS. Attention, oh,
C'est Billy, les amis! Deuxième épique de ce pack opening. Et non, ça clignote à droite, les amis! Monsieur Grosse Boîte qui se laisse pas faire. Oh, ce battle est juste oufissime, c'est Rico qui tombe à droite. Est-ce que Monsieur Grosse Boîte va pouvoir essayer de récupérer un petit peu son retard sur Monsieur Méga Boîte? Il lui reste encore pas mal de grosses boîtes à ouvrir. Rien de, je crois que rien des deux côtés. Non, ça clignote pas. Du côté de Monsieur Méga Boîte, il n'y a rien non plus, je pense, dans cette méga boîte. Allez, on continue. Monsieur Grosse Boîte, il enchaîne. Hein. Il envoie. Il pète les grosses boîtes dans tous les sens. Trois objets restants. Il peut y avoir un nouveau brawler à droite. Non, rien du tout. À gauche, Monsieur Méga Boîte, il a terminé sa boîte. Il n'y avait rien dedans. On continue. Une nouvelle grosse boîte. Une nouvelle méga boîte. Trois objets restants. Possibilité d'avoir un nouveau brawler à droite. À gauche, cinq objets restants. Il n'y aura pas de nouveau brawler. À moins d'une surprise, mais je pense que c'est pas possible. Allez, on continue ce pack opening. Moi, j'encourage Monsieur Grosse Boîte parce qu'il est tellement dans le dur, il est tellement à la bourre que j'ai envie qu'il rattrape Monsieur Méga Boîte. Est-ce que vous trouvez ça normal que Monsieur Méga Boîte ait débloqué autant de brawlers aussi facilement? Trois objets restants à droite, possibilité d'avoir un nouveau brawler. Non, rien du tout. Méga Boîte, Monsieur Méga Boîte, il a cinq objets restants, il n'y aura rien. Deux objets restants à droite, ça clignote pas. Non, il n'y a rien du tout. Ouais, est-ce que Monsieur Méga Boîte, il a pas un peu trop de chance là, les amis? Est-ce que vous... Ça me paraît chelou quand même hein, de débloquer aussi facilement tant de brawlers. On verra le résultat final à la fin. On va voir où on en est. En tout cas, c'est incroyable. Je surkiffe cette série. Je trouve ça génial ce battle de pack opening. Mais vraiment quoi. 5 objets restants à gauche pour Monsieur Méga Boîte. Monsieur Grosse Boîte, qu'est-ce qu'il va nous... 3 objets restants. Il peut avoir un nouveau brawler. On y croit, allez. Non, toujours rien. Oh, la PLS totale pour Monsieur Grosse Boîte. Alors que Monsieur Méga Boîte, il commence déjà à avoir un sacré nombre de brawlers débloqués. Hein. Toujours objet restant 3 à droite. J'ai jamais vu, je crois, de... On voit pas de 4 hein, en Grosse Boîte. Hein. Ok, 5 objets restants à gauche. Ah oh là là, c'est dur là. On n'a plus de nouveaux brawlers. Hein. Et, ça sent, je sais pas vous, mais je sens que là, dans quelques Méga Boîtes ou Grosse Boîte, on va choper un gros brawler. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Allez, c'est maintenant. Objet restant 3 à droite pour Monsieur Grosse Boîte. Monsieur Méga Boîte, il aura rien. Non, rien du tout pour Monsieur Grosse Boîte. On arrive, regardez, il reste plus beaucoup de gemmes. On va voir après le résultat final. Oh, 6 objets restants à gauche pour Monsieur Méga Boîte. Énormissime. Qu'est-ce qui va nous débloquer? Est-ce que ça va être une légendaire? La première légendaire de ce battle de pack opening. Ah oh là là. À droite, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout à droite. Donc on focus sur Monsieur Méga Boîte à gauche. 3 objets restants, 2 objets restants. 2 objets restants à droite, ça clignote pas, y a rien. Ah yé, ça clignote à gauche là. On va découvrir le nouveau brawler. Mais qu'est-ce que ça va être, les amis? Attention. Suspense. Oh, c'est Mortis. Les fans de Mortis, ils vont kiffer là. Et Monsieur Méga Boîte qui débloque Mortis et qui obtient donc 2 mythiques sur 5. Là à droite, maintenant, je vais aller augmenter pour le prochain pack opening un petit peu tous les niveaux de pouvoir de tous les brawlers. Enfin voilà. Pack opening monstrueux, les amis. Il reste une méga boîte à ouvrir à gauche. C'est parti. À droite, Monsieur Grosse Boîte, on sent qu'il est frustré. On sent qu'il est vénère. On veut de la team soutien pour Monsieur Grosse Boîte dans le chat. Monsieur Méga Boîte, alors là, il est fier comme Artaban. Il frime de ouf, regardez-le-moi. Il a tout pété dans ce pack opening. Il a récupéré tellement de brawlers. C'est énormissime. C'est incroyable. La chance qu'a eu Monsieur. Moi, je pense que c'est de la chance, là, à ce niveau-là. C'est pas une histoire de méga boîte et de grosse boîte. Là, Monsieur Méga Boîte, il s'envole dans ce battle tout simplement parce qu'il a eu une chance, mais énormissime quoi, énormissime. On se croirait dans un best-of des packs opening de Senor 9 et de BFA. Allez, on découvre un petit peu où en sont donc les deux comptes, méga boîte et grosse boîte. 4 rares de chaque côté, 4 super rares pour méga boîte, 3 pour Monsieur Grosse Boîte, 2 épiques et 2 brawlers mythiques pour Monsieur Méga Boîte, c'est incroyable. Là, vous êtes d'accord, c'est le mama, c'est énormissime la différence. D'un côté, on a débloqué donc 8, 10, 12 brawlers, de l'autre côté, on en a débloqué que 7. Maintenant, on regarde les scores en détail, les amis. 2080 gemmes dépensées à gauche, 2040 à droite, ça c'est en plus, il y a les gemmes qui se cumulent, qu'on gagne dans les méga boîtes et les grosses boîtes. 26 méga boîtes contre 68 grosses boîtes. Les brawlers, 12 contre 7. Et c'est énorme, c'est une raclée. Et même en gold, Monsieur Méga Boîte, il met une raclée colossale à Monsieur Grosse Boîte. Et tout ça pour le même nombre quasiment de gemmes dépensées, sachant qu'il y a les gemmes bonus qu'on gagne dedans. Les amis, si vous êtes hype, si vous voulez qu'on poursuive cette série de vidéos de battle de pack opening entre Monsieur Méga Boîte et Monsieur Grosse Boîte, vous savez quoi faire. Vous me claquez le plus bel ouragan de l'histoire
de pouces bleus. Et n'hésitez pas, si vous découvriez la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche. La bise à tous !